Et donc la chose qu'on va chercher à justifier, c'est le même principe que pour les particules classiques. Avant de le dire, je vais essayer cette fois, je ne vais pas oublier d'introduire les marginales avant. Donc qu'est-ce que c'est? Avant, on avait les marginales, c'est toujours là, c'est les marginales d'un état classique, si vous prenez les densités réduites en intégrant certaines variables. Pour un état quantique, vous avez la même notion de marginal, enfin pas la même, vous avez la notion voisine. Si vous prenez gamma n, qui est un état, disons, symétrique, ce que je vais noter, alors disons gamma n avec un petit n, c'est-à-dire c'est la nème matrice de densité réduite, c'est la trace partielle sur n moins n variables de gamma n. C'est-à-dire que là, vous avez un opérateur qui agit sur n variables, et vous prenez sa trace sur les n moins n dernières. Donc comme c'est un opérateur qui est symétrique, ce n'est pas important sur quelle variable vous prenez la trace, vous prenez celle que vous voulez. Et ça, ça vous définit maintenant un état de L2 de R d petit n. Et donc, la définition, si on va quand même écrire des trucs un peu plus précis, c'est que si je veux calculer la trace de gamma n petit n sur un opérateur à n, où à n, c'est disons un opérateur borné sur L2 de Rd petit n, la définition, c'est exactement la définition qui est au-dessus, ben ça c'est la trace de gamma n à petit n tenseur l'identité de L2 à la puissance tensorielle n-n. C'est-à-dire que vous mettez n copies de l'identité à la suite. Donc ça c'est la définition, et puis bien sûr c'est une définition qui est basée sur le fait que si vous regardez L2 de Rdn, ben en fait c'est le produit tensoriel sur n copies de L2 de Rd. C'est la même chose. Et puis de même, si vous mettez un symétrique là, L2 de ça, ce sera le produit tensoriel symétrique. Donc c'est comme ça qu'on définit les marginales. Donc c'est la même interprétation qu'avant. C'est-à-dire que vous voulez savoir ce qui arrive aux petit n premières particules indépendamment de ce que font toutes les autres. Donc vous intégrez sur ce que font toutes les autres. Puis pour voir que c'est bien, qu'on a bien envie d'appeler ça une trace partielle ou bien faire le lien avec ce qu'on avait avant, c'est que donc ces gamma n, c'est des opérateurs à trace, donc ils ont un noyau. Donc je vais les identifier avec leur noyau. Donc gamma n, il a un noyau gamma n x1 xn et puis disons, y1 yn. Et donc maintenant gamma n petit n, il a aussi un noyau, et du coup gamma n petit n, c'est l'intégrale d xn plus 1 d x grand n dy n plus 1 dy grand n du noyau de x1 xn y1 yn. Oui, allez. Voilà. Parce que ces opérateurs à noyau, là, ce que je veux dire, parce qu'ils ont un noyau, je veux dire que si vous regardez gamma nn sur un psi petit n, c'est l'intégrale dy1 dy petit n du noyau gamma n donc x1, x petit n, y1,
y petit n fois psi, il faut que je mette un bar, je pense, de y1, y petit n. Voilà. Non? Bon. Oui, bon. Disons. Voilà. Disons, oubliez ça, j'ai oublié la définition. De toute façon, en fait, c'est bien de le voir comme ça. Donc faut, je vous encourage à ne pas vous tromper comme moi et à le refaire. Mais la meilleure définition, c'est vraiment ça. Et donc maintenant, j'en viens à ce que c'est que l'approximation de champ moyen, c'est dire... On va dire que ce qu'on a envie, c'est que dans cette minimisation-là, la minimisation se fasse. On a envie de dire que l'énergie grand N par particule, c'est grosso modo une énergie que j'appelle E'', qui est l'infimum, il faut que je remette le 1 sur N, de l'énergie à N particules, d'un U tenseur N, où U, c'est juste une variable, une fonction de L2 de RD. Donc on copie, en fait, on copie ce qu'on a fait quand on a fait la mécanique classique. C'est-à-dire qu'on dit juste que avoir N particules indépendantes, c'est avoir N particules dans le même état, c'est-à-dire qu'ils sont tous, que les fonctions d'onde que je prends sont de forme U tenseur N. Donc est-ce que ça, c'est vrai, quand n est grand? C'est ce qu'on voudrait savoir. Alors, cette énergie-là que j'ai écrite, on va l'écrire sous la forme plus familière, c'est que, d'abord, je vais redire que l'énergie, si je regarde l'énergie d'un gamma n, comme ça, c'est n fois la trace de... Donc là, j'ai pris moins delta plus V dans gamma N1 plus lambda N moins 1 N sur 2 la trace de W gamma N2. Et alors, j'identifie tout de suite la multiplication par W, le potentiel, je l'identifie avec la multiplication par wx moins y sur L2 de R2D. Je ferai toujours cette identification. Donc, c'est quand vous voyez une trace, donc ça c'est un opérateur à deux particules, ou une trace multipliée par W, c'est que c'est toujours un W qui agit sur L2 de R2D. Et pour moi, il agira toujours comme la multiplication par wx moins y. Voilà. Du coup, donc avec ces définitions-là, si vous voyez bien, ce qu'on voit bien, c'est que si on prend En de U tenseur N, et puis je vais diviser par N tout de suite, ça c'est, si vous prenez gamma N, donc c'est un état mixte a priori, donc l'état mixte qui correspond à prendre U tenseur N, c'est prendre le projecteur sur U tenseur N, bon, bah, c'est marginal, c'est très simple, gamma N, N, marginal énième, c'est le projecteur sur U tenseur petit n. Donc si vous prenez dans l'énergie un U tenseur n, vous injectez là-dedans, là vous avez trace de moins delta plus V sur le projecteur dans U, c'est-à-dire, je l'écris trace moins delta plus V dans U, et donc ça va donner l'intégrale de grade u carré plus vu carré. Ensuite, vous avez la partie... ça va encore si j'écris là? J'ai encore la partie interaction, donc lambda n-1 sur 2 trace w dans u tenseur 2, u tenseur 2. Je
regarde juste la définition qui était au-dessus. Et ça, ça me donne une intégrale double lambda n-1 sur 2, une intégrale double w x moins y u carré de x u carré de y. Voilà. Alors ça, je vais l'appeler, cet objet-là, je vais l'appeler l'énergie de Hartree, parce que c'est une fonctionnelle qui avait été introduite dans les années 30 par Hartree au début. Donc il pensait l'utiliser pour des fermions, donc c'était pas vraiment correct. Mais pour des bosons, c'est la description correcte. Alors, la différence, avant, sur mes slides, on avait l'énergie de Gross-Pitayevski, c'était la même chose, juste que W de x-y était un delta, une masse de Dirac à l'origine. Donc si vous mettez une masse de Dirac à l'origine, ce terme-là, ça devient l'intégrale de U puissance 4, et donc on retrouve la théorie de Gross-Pitayevski. Donc, bien sûr, prendre un delta pour W dans ce contexte-là, c'est un peu problématique, parce que c'est pas du tout, vous n'allez pas du tout pouvoir définir l'opérateur auto-adjoint. Donc dans la suite du cours, enfin dans la fin du cours, on reviendra à qu'est-ce qu'il faut faire si vous ne voulez pas obtenir cette énergie-là avec un W régulier, mais si vous voulez obtenir l'énergie avec une masse de Dirac. Il faut faire des choses un peu plus subtiles. Et donc, l'important, c'est que ce qu'on cherche à faire, c'est faire le lien entre cette énergie pour n particules, qui était un infimum sur toutes les fonctions de L2 symétriques de RDN, et cet infimum-là, juste sur les U tenseurs N. Donc là, c'est une grosse simplification. Et puis, à nouveau, donc le lambda, si vous voulez faire un passage à la limite pour que ça, ce soit vrai au sens d'une limite, il va falloir que cet objet-là, à la fin, ne dépende pas de N. Donc il va falloir que le lambda soit, par exemple, 1 sur N-1. Donc, c'est le choix simple pour dire que cet objet-là, à la fin, ne dépend pas de N. Bien. Alors juste un petit mot sur, très rapide, sur là, on ne parle que de bosons. Bien entendu, ce U tenseur N, c'est une fonction symétrique, donc c'est une bonne fonction pour des bosons, mais pour des fermions, ça ne marche pas du tout. Pour des fermions, c'est-à-dire les fonctions qui doivent être antisymétriques, le U tenseur N n'est pas du tout antisymétrique. Donc, ce qu'il faudrait prendre, l'équivalent du U tenseur N pour des fermions, ce serait un déterminant de Slater. Donc vu que c'est destiné à être effacé très vite, je vais juste le mettre là en insert. Remarque, pour les fermions, ce qu'on voudrait justifier, c'est plutôt qu'on peut prendre psi n qui est déterminant de U i xj, où U1, Un sont orthogonales dans L2 de RD. C'est n fonctions orthonormales même dans L2 de RD. Donc c'est pas du tout le même travail que vous regardez des fermions ou des bosons, mais pour des fermions, il y a beaucoup moins de résultats dans la littérature. Alors, pour les bosons, on voit bien que prendre un U tenseur N, c'est prendre des particules indépendantes. C'est-à-dire que toutes les particules sont chacun dans un état différent. Pour des fermions, ce n'est pas du tout évident que dire une impression de champ moyen, c'est dire des particules indépendantes. Disons, c'est le plus indépendant que vous puissiez faire, mais ce n'est pas tout à fait évident comme c'est indépendant. Alors, je dis juste en remarque, vous pouvez regarder les vidéos du cours de Pierre Louis Lyons de l'année 2007, où, en utilisant un théorème de Definiti, il montre que si vous prenez n grand là-dedans, vous prenez beaucoup de variables là-dedans, ce psi n, là du moins ce psi n carré, se factorise. Donc ressemble à des particules indépendantes. Donc c'est juste une remarque, puisque dans la suite du cours, on va parler que de bosons. Alors, j'en viens à ce qui est la troisième partie de cette introduction, c'est-à-dire que là, j'ai introduit un petit, les notations, les concepts, je pense que la plupart d'entre vous connaissaient déjà au moins une grande partie de ce que j'ai dit, et apparemment était meilleur que moi pour faire les calculs sur les matrices de densité. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que je vais introduire ce que ça veut dire, utiliser un théorème de Definiti pour justifier ces choses-là. Donc, qu'est-ce que c'est le théorème de Definiti? Donc, je vais garder ça, parce que je vais commencer avec le cas classique. Et donc, on repart sur la mécanique classique. On voudrait justifier l'approximation de champ moyen.
Et alors pourquoi ça suit d'un résultat de structure? Bon, ça, de toute façon, j'aurais besoin de place. Donc le but un petit peu de cette introduction, c'est de vous dire, enfin de cette partie de l'introduction, c'est de dire que pour des particules classiques, on sait assez bien depuis assez longtemps dans la littérature comment faire. On sait que le théorème qu'il va falloir utiliser, c'est un théorème que moi j'appelle definity classique et qui est connu, plus connu sous le nom de Hewitt-Savage dans la communauté d'analyse. Et je voudrais expliquer comment cette approximation sort d'un théorème de Hewitt-Savage. Donc j'ai cette énergie-là. Donc j'ai une énergie par particule, pour n particules, donc ça c'est un infimum sur les mesures de proba symétriques. Je ne le fais que pour l'énergie, parce qu'il y a des petites subtilités quand il y a l'entropie. On y reviendra, je ferai un théorème avec de l'entropie quand je passerai à la partie plus rigoureuse du cours. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est que je regarde cet infimum. Donc, sur les mesures de proba, donc c'est l'infimum de cette fonctionnelle-là, et je prends maintenant toujours lambda égale 1 sur n moins 1 pour simplifier. Mais pour que ce que j'écrive soit ait une chance d'être rendu rigoureux à un moment du cours. En sur n, donc c'est cet infimum de l'intégrale de v mu n1 plus la moitié de l'intégrale de w x moins y mu n2 de x, y, et c'est un infimum sur tous les mu n qui sont symétriques sur oméga puissance n. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai que deux marginales, on voit que l'énergie s'écrit qu'à partir que de deux marginales. L'n marginale 1 s'écrit en fonction de la marginale 2, bien sûr. Donc ça, je vais l'écrire histoire de sauver un peu de place après, c'est l'intégrale double d'un Hamiltonien à deux particules, mu n2 de xy, avec la même contrainte sur mu n. Donc j'ai une mu n qui est contraint, mais ce que je regarde, c'est juste l'énergie de la deuxième marginale. Et h2, la notation correspond à celle qu'il y avait avant, c'est que H2, c'est l'Hamiltonien pour deux particules. Donc c'est-à-dire, il faut un demi par contre. Voilà. Donc H2, c'est l'Hamiltonien pour deux particules, donc c'est le potentiel pour la particule X, le potentiel pour la particule Y, et puis le potentiel d'interaction entre les deux particules. Donc c'est l'énergie de deux particules en interaction, qui sont position X et position Y. Voilà. Et donc, vous voyez que là, je simplifie un peu en prenant lambda égale n-1 puissance n1 sur n-1. Ce que ça dit, c'est que cette énergie ne dépend pas de n, en vrai. Ce qui dépend de n, c'est l'ensemble qui est là. Donc, je vais dire que ça, c'est la moitié de l'infimum de l'intégrale double h2 mu2 pour mu2 dans un ensemble que je vais appeler, disons, Pn2 de oméga 2, je ne mets pas le oméga, Pn2. Pn2, c'est l'ensemble des marginales à deux particules, c'est l'ensemble des mesures de proba mu2 symétriques sur oméga 2, tel que il existe un μn qui est symétrique sur oméga n. Et si je prends la deuxième marginale de μn, je vais trouver mu2. Donc c'est mon ensemble variationnel. Et donc ce qu'il faut observer, c'est que dans ce cas de simplifier au moins, l'énergie là ne dépend pas de n. Ce qui dépend de n, c'est cet ensemble-là. Donc c'est un problème de minimisation sur un ensemble qui dépend de n. Et alors, je vous rappelle ce que j'ai envie de montrer, c'est que En sur n converge, j'ai envie de montrer que En sur n converge vers une énergie, disons petit e, qui est l'infimum
le somme V rho plus double somme WX moins Y rho X rho Y. Avec rho, c'est juste une proba, une seule proba sur oméga. D'accord ? Donc ça, c'est aussi l'intégrale double de H2 rho tenseur 2 fois. J'ai envie de montrer ça, donc j'ai envie de dire que parmi tous ces mu2 à Pn2, je peux me restreindre juste au rho tenseur 2 si je veux calculer l'énergie. Après, il y aura des conséquences pour la convergence des mesures elles-mêmes, ou plutôt la convergence des marginales, mais dans un premier temps, je voudrais vraiment comprendre ce qui se passe pour l'énergie. Alors, ce qu'on a très envie de dire, et c'est là qu'il va falloir travailler pour pouvoir le dire, et qu'une grosse partie du cours sera consacrée à ce travail-là, c'est que c'est limite de En sur N, c'est la limite d'un infimum. Alors, toutes les limites, bien sûr, c'est quand N tend vers l'infini. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, c'est l'infimum de la limite. Donc, à prendre avec des précautions, dans beaucoup de cas c'est vrai, d'ailleurs dans quasiment tous les cas qu'on peut imaginer c'est vrai, mais on ne peut pas le faire magiquement comme ça. Donc je voudrais juste vous dire que modulo l'analyse, que la partie analyse du travail qui est justifié cet échange d'infimum et de limite, vous avez des propriétés algébriques de la limite qui vont vous dire immédiatement que ça c'est vrai. Donc si vous acceptez cet échange de limite et d'infimum, immédiatement ça va être vrai. Alors pourquoi ça? Parce que si je regarde, maintenant je regarde l'infimum de la limite de mon problème. Donc l'énergie ne dépend pas de n, donc c'est encore toujours avec les mêmes, on a envie de dire que la limite de ça, c'est toujours l'infimum de la même énergie, mais sur la limite de l'ensemble variationnel là. C'est que l'ensemble variationnel dépend de n, donc on a envie de dire que ça c'est donc toujours le 1/2, et là il y avait, là il y avait 1/2 aussi, mais enfin bon, c'est pas très très important. Non, il y avait le 1,5 était là. Voilà, et puis là, oui, il y en avait un aussi. Enfin bref, modulo les petites erreurs de calcul, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, on a envie de dire que c'est la moitié de l'infimum de la même chose, donc la même fonctionnelle, intégrale double de H2, fois mu2. Et maintenant, mu2, dans un ensemble que je vais appeler P infini 2, qui serait la limite, pour peu que ça ait un sens, de cet ensemble Pn2. Alors, en fait, ça a un sens, parce que ces ensembles-là, ces Pn2, ils sont emboîtés les uns dans les autres. C'est-à-dire que P, c'est une suite décroissante, en fait. Pn plus 1, 2, c'est bien sûr inclus dans Pn2. Donc, je l'ai mis là, un petit peu au milieu de nulle part, donc on va bien encadré. Alors pourquoi? Parce que si vous prenez un mu2 qui est symétrique sur oméga 2, qui est représentable par un mun plus 1 en prenant la deuxième marginale du mun plus 1, vous prenez mun qui est la énième marginale du mun plus 1. Donc ça vous dit que ça vous dit bien que ces ensembles sont emboîtés. Donc ces ensembles sont emboîtés, donc ce que j'entends par la limite, ce que je peux donner comme sens rigoureux à la limite, et bon, en fait c'est vraiment la limite dans une certaine topologie, doit être, quand l'oméga est compact, ça va être la topologie faible, ça va être la bonne limite. Cet ensemble P infini 2, en vrai, ce que j'entends par limite, c'est l'intersection sur tous les n plus grands que 2 de Pn2. Donc en fait c'était... Là, j'avais les marginales, les deuxièmes marginales qui étaient n représentables, c'est-à-dire que je pouvais représenter comme étant la deuxième marginale d'un état à n particules. Ben là, mon ensemble limite, c'est les deuxièmes marginales que je peux représenter comme étant justement la deuxième marginale d'un état à n particules, et pour tout n. Donc ce... Alors... Ce P infini 2, c'est l'ensemble des mu2 qui sont des probas, d'ailleurs je ne vais pas mettre symétrique, on s'en fiche, tel que pour tout n, plus grand que 2,
il existe une proba mu n, et là je mets la symétrie de oméga n, que mu 2, c'est la deuxième marginale de ce mu n 2. Donc j'ai pas mis le symétrique sur le premier, parce que si vous êtes la deuxième marginale d'un proba symétrique, vous êtes symétrique aussi. Alors, et cet ensemble-là, il est très particulier. Alors déjà, il n'est pas vide, ce qui est quand même une bonne nouvelle, c'est parce que, bien entendu, l'ensemble des rho tenseurs rho, pour rho, une proba sur oméga, ça, c'est bien entendu inclus dans P infini 2. Parce que le rho tenseur rho, c'est la marginale, c'est la deuxième marginale de rho tenseur n pour tout n. Et alors, ce que je prétends, et c'est pour ça que la limite de champ moyen va être valable, que l'approximation de champ moyen est valable, c'est que dans ce P infini 2, il n'y a personne d'autre. Alors, je dis un truc qui est moralement vrai, mais qui est aussi évidemment faux, parce que ce P infini 2, il est convexe. Donc, bien entendu, vous avez toutes les combinaisons convexes de cela. Ce que je vais écrire pompeusement en disant que vous avez l'ensemble des sommes de, disons, alors les mu, je les ai déjà utilisées, disons, de P des rho, rho tenseur 2, où P, maintenant, c'est une proba sur les probas de oméga. Voilà. Ça, c'est aussi inclus dans P infini 2. Juste parce que c'est convexe, vous avez tout ça, donc vous avez leur enveloppe convexe. L'enveloppe convexe, une manière de l'écrire, c'est de dire que c'est toutes les combinaisons convexes, donc toutes les combinaisons avec des mesures de proba. Alors, bien sûr, il y a les mesures de proba sur les mesures de proba, donc c'est... C'est pas forcément très très intuitif, mais c'est très naturel. Hein. Notamment si vous avez suivi le cours de Pierre Williams en 2007, ben, ces objets-là ressortaient tout le temps. Et puis au passage, donc, souvent oméga sera un compact de RD. Donc les mesures de proba sur un compact, c'est un compact pour la topologie faible des mesures. C'est un espace compact maîtrisable. Donc, prenez les probabilités, vous pouvez itérer, c'est à nouveau compact maîtrisable. Donc, dommage que Pierre Hulon ne soit pas là pour voir à quel point j'ai bien regardé les vidéos de son cours. Oui, parce que je vais dire que les vidéos du cours sont disponibles, bien sûr, donc sur le site du Collège de France. Je vous invite à les regarder, parce que là, je paraphrase un peu ce qu'il avait dit à l'époque. Voilà, et donc ce que je prétends, c'est que là, bah, en fait, vous avez une égalité. Donc, il n'y a personne d'autre dans cet ensemble. Ça... C'est ce qu'on appelle le théorème de Definiti. Alors, théorème de Definiti, parce que Definiti, on avait prouvé une version simple en 1931, où, en fait, son oméga, c'était pas un truc, quelque chose inclus dans RD, c'était juste 0,1. Donc, c'était les probas sur 0,1. Alors, c'est donc des Definiti, entre parenthèses, 1931, la première version qui vous dit ça. Et je pense que la plupart d'entre vous connaissent ça sous le nom de Hewitt Savage en 1958, si ma mémoire est bonne, où c'est démontré dans le cas général, où on voit que cet ensemble-là, c'est ça. Et puis bon, là j'ai fait ça pour petit 2, pour les besoins de la cause, mais c'est vrai pour. Je peux définir un P infini petit n, et ce sera vrai aussi, ce sera le même principe. Donc bon, je reviens un petit peu là. Cette limite-là, c'est maintenant l'infimum de... Alors, tous les mu2 qui m'intéressent sont de cette forme-là. C'est une fonctionnelle linéaire en mu2. C'est h2 fois mu2 et j'intègre. Donc c'est l'infimum, je peux commuter les intégrales. C'est l'infimum sur l'intégrale sur les rho, sur les mesures de proba rho de... double intégrale h2 rho tenseur 2 fois bon, ça je viens de le dire donc je vais l'effacer tac fois p des rho où p c'est une mesure de proba sur les mesures de proba. Bon, mais ben, ça c'est qui est là-dedans, là, ça c'est l'intégrale sur rho mesure de proba de
Alors, je ne vais pas donner de nom, c'est un peu facile, je vais donner un nom avant. Je sais juste que je l'ai effacé, mais c'est E champ moyen de rho. P des rho. Et P, ça doit être une mesure de proba. Voilà, c'était égal à 1 demi, l'infimum de ça. Maintenant, c'est une mesure de proba. Est-ce que vous voyez que quand vous minimisez ça, vous chargez des rho avec ce P, vous ne pouvez pas faire mieux que charger le minimiseur. Et ce que vous avez intérêt à prendre, c'est un P qui est un minimiseur de remis de fil de rho. Donc cet infimum-là, c'est juste ce que je vais noter, ce que j'ai noté petit e au-dessus, c'est exactement le petit e. Vous ne pouvez pas faire mieux. Donc là, j'ai écrit une grande chaîne d'égalité avec, il y en a une qui a des guillemets, donc toute la chaîne a des guillemets, mais modulo ces guillemets, cette limite-là, de l'énergie par particule, bah, c'est bien ce petit e où je me suis restreint à des rho tenseurs rho, c'est-à-dire que c'est un infimum sur des mesures de proba rho pour une particule. Et donc tout ça vient du fait de ce théorème de Hewitt-Savage en 1958. Donc qu'on prouvera, donc vu l'heure, ce sera plutôt la semaine prochaine qu'on le démontrera, mais il y a vraiment que ce résultat de structure. C'est-à-dire que là, comme c'est une introduction informelle, je n'ai pas mis d'hypothèse sur V, W, etc., mais vous sentez bien qu'il y a des hypothèses de régularité pour que ça ait un sens. Il faut par exemple que ça soit que cette fonctionnelle soit semi-continue inférieurement, des choses comme ça. Mais j'ai pas mis le morceau, vous avez pas vraiment d'hypothèse du genre W a un signe, V a un signe, etc. Donc, ça marche juste pour à cause de cette propriété de structure. Et donc maintenant je vais expliquer, je pense que je vais aller un peu plus vite, je vais expliquer que c'est la même chose dans le cas quantique. Sauf que le cas quantique c'est beaucoup moins connu. C'est-à-dire que ça, Hewitt-Savage 1958, c'est assez bien connu, notamment des gens qui font de la dynamique sur les limites de champs moyens. Donc, je pensais avoir le temps d'écrire l'équation de Vlasov, etc., mais c'est le même principe. Hewitt-Savage, c'est un outil très, très important dans cette théorie-là aussi. Donc, j'aurais pas le temps de l'écrire, mais... Et puis, bon, j'ai quand même mentionné que ça, ce que j'ai écrit là, c'est le raisonnement. Il vient d'un article de Messer et Spohn en 1980 quelque chose, qu'il y a des généralisations avec la température, qu'il y a des articles de Cagliotti, Lyons, Marchiro, Pulverenti en 93 et Kissling en 94. Vu que je referai leurs preuves dans la suite du cours, j'aurai l'occasion de les citer plus précisément. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que ça marche aussi dans le cas quantique, même si c'est beaucoup moins connu. C'est-à-dire que dans le cas quantique, je suis en train de regarder pareil, une énergie par particule, En sur N. Donc le cas quantique, En sur N, c'est l'infimum. Alors je ne refais pas toutes les étapes, hein, c'est le même principe. Vous pouvez écrire ça comme l'infimum de la moitié de la trace d'un Hamiltonien à deux corps sur une matrice de densité à deux corps. Gamma N2, c'est, je ne change pas la notation, dans PN2. H2, dans ce cas-là, c'est moins delta en x, moins delta en y, plus vx, plus vy, plus w, x moins y. Donc, tout à l'heure, j'avais écrit en disant qu'il y avait la première marginale qui prenait la valeur moyenne de la première marginale dans cet opérateur à un corps, mais je peux toujours tout écrire en fonction de la deuxième si je veux. Et PN2, maintenant, je regarde des bosons, c'est l'ensemble des gamma 2 qui sont... Alors, vous vous souvenez de ma notation, c'est un, ça faut que ce soit un opérateur, c'est un état de L2 R 2D. Symétrique. C'est-à-dire, c'est un,
un opérateur qui agit sur L2 symétrique, il faut qu'il soit auto-adjoint, il faut qu'il soit positif et il faut qu'il soit de trace 1. Et le fait que j'ai le droit d'écrire un infimum sur tous les opérateurs, c'est que ça, c'est une fonction linéaire en la matrice de densité. Et comme toutes les matrices de densité des états mixtes sont des combinaisons convexes de matrices de densité d'états purs, j'ai le droit de minimiser sur tous les états mixtes. Voilà. Tel que il existe un grand gamma n qui est un état de L2S RD grand N tel que gamma 2 soit la deuxième densité réduite, la deuxième marginale de gamma N. Et donc même principe, je vais dire que là, j'ai envie que la limite quand n tend vers l'infini de ce rapport là, de n sur n, ça soit non pas la limite de l'infimum, donc à nouveau des guillemets, mais l'infimum de la limite. Et à nouveau, le H2 ne dépend pas de n, c'est juste la marginale sur laquelle je minimise qui est dans un des ensembles qui dépend de n. Donc j'ai envie de dire que ça soit l'infimum de 1 demi trace H2 gamma 2, gamma 2 dans P infini 2. Ou à nouveau, P infini 2, moralement, c'est la limite de ces ensembles-là. En fait, on va voir plus tard que c'est la limite pour la topologie forte des opérateurs à traces. Mais pour l'instant, on peut voir que tous ces PN2 sont tous emboîtés les uns dans les autres. Donc, ce que j'appelle P infini 2, en fait, c'est l'intersection de tous ces PN2. Donc, c'est l'ensemble de gamma 2, tel que pour tout n, il existe un gamma n. Le gamma, si je prends la deuxième marginale de gamma n, ça doit être gamma 2. Donc je ne réécris pas les ensembles. C'est gamma n, un opérateur symétrique, auto-adjoint, positif, à trace 1 sur L2 symétrique de RDN. Voilà, et bien maintenant, encore une fois, il y a quelque chose qui est évidemment contenu là-dedans, donc ça veut dire que déjà c'est pas vide, c'est que l'ensemble des U, des projecteurs sur U tenseur 2, pour U dans L2 de RD, ça c'est bien évidemment inclus dans P infini 2. Pour le même principe, si vous prenez gamma n qui est le projecteur sur U tenseur n, vous prenez sa deuxième marginale, c'est le projecteur sur U tenseur 2. Et puis, il y a l'enveloppe convexe de ces trucs-là. Donc là, je l'écris à nouveau de la même manière, un peu pompeuse, mais qui est la manière dont on va se servir dans le cours, qui est, c'est l'intégrale de PU, projecteur sur U tenseur 2, U tenseur 2, où P, c'est une mesure de proba sur... alors, la notation reviendra plusieurs fois. Je mets un S devant la sphère unité de L2 RD. Donc cet ensemble-là, c'est l'ensemble des U, tel que norme de U dans L2 vaut 1. Donc les états purs à une particule. Tac, 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 voilà. Ben, en fait, ça, c'est égal ici. Alors c'est maintenant c'est un théorème, donc c'est définitive quantique, c'est celui du titre, c'est celui qui est vraiment l'objectif du cours. C'est maintenant, c'est un peu plus récent, mais pas tant que ça, c'est Stormer en 1969, donc qui est sous une forme un peu plus abstraite et qui n'est pas complètement celle-ci, pas complètement optimale. La forme vraiment que j'ai écrit là, c'est Hudson Moody en 1975. Voilà. Et donc une fois que vous savez ça, bah, et que si vous acceptez
cet échange d'infimum et de limites, ce qui n'est pas du tout trivial, parce que c'est qu'il y a une grosse partie du cours qui est comprendre pourquoi j'ai le droit d'échanger cet infimum et cette limite. Mais modulo ça, modulo cette partie analyse du cours qui est échanger l'infimum et la limite, bah, il y a un théorème qui est plutôt algébrique, hein, c'est une propriété algébrique de cet ensemble-là, qui vous dit bah, vous avez gagné. C'est ce que... bon, bah, il me reste un peu de place là, donc je vais l'écrire là. Du coup, cette limite de En sur N, c'est égal, donc je maintiens quand même les guillemets, ah, donc l'infimum, vous injectez cette forme-là là-dedans, c'est une fonctionnelle qui est linéaire. Et alors en fait, d'ailleurs, une manière de dire ce truc-là, c'est de dire que ça, c'est un ensemble convexe. D'ailleurs, ce P infini 2, c'est aussi un ensemble convexe. Dire ça, c'est dire que les U tenseurs 2, là, sont les points extrémaux de l'ensemble convexe. C'est-à-dire que c'est en gros le bord, ou plutôt, si vous y pensez comme un triangle dans le plan, ça, c'est les sommets du triangle, c'est U tenseur 2, projecteur sur U tenseur 2. Donc c'est en général les points extrémaux, donc je ne vais pas écrire la définition, mais il y a un théorème qui est, je n'ai pas vérifié avant de venir, j'aurais dû, c'est Choquet ou alors Kreyn-Minman, je crois que je l'ai vu cité sous le nom des deux noms. D'accord. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Donc c'est le théorème de Choquet qui vous dit que savoir que les U tenseurs, les projecteurs sur U tenseur 2 sont les points extrémaux de cet ensemble-là, et savoir que vous avez une représentation comme ça, c'est la même chose. Donc ce que je voulais dire, c'est que vous minimisez une fonctionnelle qui est linéaire, là, donc elle est linéaire dans le gamma, alors elle est quadratique dans le psi, mais donc le psi, c'est... le gamma, c'est psi, c'est ket psi, bra psi, donc ça, c'est quadratique dans le psi, mais du coup, la fonctionnelle d'énergie, là, elle est linéaire dans le gamma. Donc vous minimisez une fonctionnelle linéaire sur un ensemble convexe, bah vous tombez sur les points extrémaux, exactement comme dans l'algorithme du simplex qu'on apprend en cours d'optimisation de base. Donc vous tombez sur les points extrémaux, donc les points extrémaux c'est le 8 tenseur 2, donc du coup ça c'est bien l'infimum de 1/2 trace H2 gamma 2, c'est-à-dire que je peux minimiser sur les points extrêmes, projecteur comme ça, avec U dans L2 de RD. Bon, et puis je l'avais écrit avant, du moins j'espère. Ça, c'est exactement l'énergie ERT de U. Parce que ça va être trace de moins Laplacien plus V dans U, projecteur sur U, plus trace de WX moins Y dans U tenseur 2. Donc ça vous donne exactement l'énergie R3. Donc autrement dit, modulo cet échange d'infimum et de limite, vous avez bien montré que c'est ER3. Voilà, donc ça va être bientôt le moment d'arrêter. Donc bah, le programme du cours, c'est... on rend tout ça rigoureux. On fait... on va démontrer les théorèmes, c'est-à-dire que ce théorème classique, je vais le démontrer. On va, alors je vais le démontrer, donc pas dans la démonstration des Witt-Savage, dont j'aurai le temps d'y revenir un petit peu, parce qu'il y a une meilleure démonstration qui est due à Diaconis-Friedman et retrouvée par Lyons ensuite. Je démontrerai ça. On verra un petit peu, on va pas faire trop de détails sur la mécanique classique, parce que c'est pas vraiment le but du cours. On va justifier ça. Essentiellement, dans ce cas-là, les cas qu'on sait faire, c'est les cas où c'est un peu trivial de commuter infimum et limite. Mais il faudra justifier cette commutation. Et puis surtout, on va passer au théorème quantique, aux versions quantiques, où il faut démontrer le théorème aussi. Donc pas suivant la preuve de Stürmer et Hudson-Moody, parce que c'est une preuve très abstraite. Plutôt suivant une preuve qui combinera deux aspects qui sont plus constructifs. Un aspect qui est dû à la communauté d'information quantique, en fait, et un aspect qui est dû plus à la communauté de physique mathématique, où il y a des questions de localisation dans l'espace de Fock qui sont derrière tout ça. Donc il y aura démonstration de ce théorème-là suivant cette preuve qui est plus récente, qui, au moins pour la moitié, c'est moi-même, Mathieu Levin et Phantam Nam qui avons fait ça. Et puis, en fait, si vous voulez vraiment traiter le cas général de interchanger cette limite et cet infimum, c'est pas tout à fait évident parce que
beaucoup de systèmes physiques, vous vous intéressez à des situations qui ne sont pas compactes, donc ce n'est pas tout à fait évident de passer à la limite. Donc on verra des généralisations en fait, de ce théorème aussi, qui servent dans ces cas-là. Voilà, et, donc, tout, et puis tout à la fin, là j'ai fait le cas simple où on prend une théorie de Hartree, donc ça veut dire que quand on mettra les vraies hypothèses, on prendra des potentiels là V qui sont relativement gentils, un W qui est relativement gentil, et qui, enfin, je veux dire relativement gentil pour que ça soit un opérateur auto-adjoint, quoi. Qui ne dépendent pas de N. Donc pour dériver après tout à la fin des théories de type Gross-Pitayevski où on a envie de remplacer le W par un delta, il faudra faire des choses plus subtiles. Et en fait, c'est ça la motivation pour présenter non pas la preuve historique de ce théorème-là, mais la nouvelle preuve. C'est que c'est une nouvelle preuve qui est en plusieurs étapes. Et à chaque étape, en fait, on a un petit quelque chose à gratter qu'on va utiliser tout à la fin, et notamment pour traiter le cas des non-linéarités locales. Voilà. Et donc, on continue la semaine prochaine. Merci.